Bon, Kane, mes amis, on démarre une run du coup sur Isaac, nouvelle run du coup avec Kane, le petit Kane, en hard objectif. On va voir si on a la possibilité d'aller faire un petit, un petit boss rush, ça pourrait être bien, hein. Je sais pas trop. Kane avec ses stats incroyables pour démarrer, c'est trop cool. On a récupéré la tête d'œuf. Plutôt sympa la tête d'œuf. Un petit cœur blanc en plus. J'aurais peut-être dû récupérer la tête d'œuf plus tard. Et 20% de chance de nullifier un dégât subi. Plutôt sympa, hein. Un petit item défensif plutôt cool. Donc ouais, si on boss rush, normalement faut pas détruire les poupes. Mais comme je disais, on va voir. On va quand même essayer de récupérer les trucs assez vite. Paf. Allez, une petite bombe pour la route, on s'est remboursé, c'est nickel. On est parti pour le grand déménagement. Où est-ce qu'on pourrait déposer ça? On pourrait déposer ça là-bas. Ah non, non, on va tenter la pilule. Kane n'a que des bonnes pills. Ouais. Et comme il a que des bonnes pills, parce qu'il a le lucky foot, on va récupérer cette pilule. Un petit full hell, ouais, bon, c'est sympa, mais... C'était déjà full life. Hello, un petit cœur d'âme en plus pour la route. On a récupéré le cœur d'âme dans la super secret, c'est vraiment cool. Waouh, regardez. On a la possibilité de doubler les effets des cartes. Plutôt sympa, je mets en pause parce qu'on est en opération bleu, boss rush. Un Dead Space 2 remake est prévu. Oui, un Dead Space 2 remake est prévu. Et il réfléchit du coup à refaire un 3, mais avec des mécaniques différentes, etc. Pour que ce soit un vrai 3, un vrai Dead Space 3. Et ça, c'est magnifique. Mille merci encore à Manu Ciao pour les 10 mois. Le temps passe super vite, ouais. Ça passe grave vite. Merci Manu, merci beaucoup. Mais ouais, Camille, un Dead Space 3 est prévu, ça va être trop bien. J'ai plus de bombes par contre. Donc pas hésiter à revenir ici. Ça serait vraiment cool qu'on arrive à trouver une bombe. Ah, une petite bombe pour la route. Ah, pas de bombe, tant pis. On va fouiller en bas. La bombe serait vraiment chouette. On a une petite carte, The Tower. On va la garder pour le boss. On va lui bombarder la tronche, il va rien comprendre. Il est pas prêt. Nice. Ok, pas de bombe malheureusement. Tant pis, la curse. On va s'en passer. On va essayer d'économiser nos cœurs d'âme. Pas trop chaud du coup de jouer avec le feu. Ah ouais, y a pas de bombe. Hein. C'est triste. C'est triste, mais tant pis. Cadeau. Hop là. Et bim. Un petit HP up pour la route. Premier étage clear. Nickel. Ouais, en vrai, The Tower, c'est trop bien pour le boss. C'est trop cool. Tu lui envoies la vague de bombe dans la tronche, c'est bim. Oh, sympa ça. Double cœur noir, c'est vraiment cool, ok. On a une grosse salle. Ok, on a éliminé du coup un balèze. Ah, c'est bien parce que les balèzes, ils ont tendance aussi à tuer leurs potes. Ouais, notamment là. Bon, même si je l'ai tué juste avant. Ok, la salle est clear. Alors ça... Ça, le problème, c'est qu'avec mes 4,50 de range, faut être patient. Comme ça. Nickel. Oh, lui, il veut lui exploser en plus à la tronche. Allez, allez. Voilà, nickel, impec. Jackpot. Oh, ici, y a pas à réfléchir. Ouais, la petite range, ça l'aide pas. Ouais, King, c'est son défaut, tu vois, les 4,50. 4,50 de range pour démarrer. C'est... Ouais, ouais, c'est un peu chiant, mais bon. À côté de ça, t'es à 1,30 de vitesse, c'est monstrueux. C'est juste insane, les 1,30 de vitesse. C'est hyper agréable à jouer, du coup, quand tu commences ta run avec Kane, t'es en mode, waouh, mais il est fluide et tout ce perso, c'est trop bien. 4,20 de dégâts, c'est trop bien aussi. C'est vraiment fort, les 4,20 de dégâts, ils font plaisir. On sent vraiment la diff. Tac, alors on a plein de clés, là, c'est cool. On va pouvoir ouvrir le shop. Le... Item room, pardon. Ouais, sympa. Ah, j'ai pas eu de paire de cœur noir par contre, ouais. Ouais, c'est dead. Un petit bébé interdimensionnel. Plutôt chouette ça. Et à moi de faire des dingueries avec ça.
Ah, c'est un truc que j'aime beaucoup sur certains boss où tu connais les patterns par cœur. Voilà, tu restes immobile, comme ça. Et là, bim. Double tiers. Trop bien. Nickel. Alors, génère une salle secrète de plus à chaque étage. Je ne rajoute pas de salle secrète si un étage a déjà été généré. On va y réfléchir. Mais je pense que je vais garder... Oh. Voilà, parfait, nickel. Je pense que je vais garder, si possible, mon trombone. Je peux ouvrir tous les coffres gratos, en vrai, c'est... On va pas cracher dessus, quoi. Alors, faut surtout pas que le TNT au milieu, il explose. Celui-là, je peux le faire péter, c'est pas grave. Mais l'autre, non. Merde. Tu vas crever, oui! Impec. Alors. Ah putain. Ah ouais. Il y a un coffre là. Voyons voir. Des araignées. Bon, c'est pas très intéressant. Hein. On va économiser nos pièces, je pense. On va fouiller l'étage à fond, par contre. Ouais, ouais, c'est pas super, hein. Un peu le seum, hein. Waouh. Ah, notamment, il fait vraiment plaisir, le bébé interdimensionnel. Ramasser une pièce, 25% de chance de faire apparaître une clé. C'est sympa, mais je préfère quand même récupérer... je préfère garder ce que j'ai. Tac, on va aller faire un tour là-haut. On va aller dans la salle des coffres. Oh, j'ai pas de chance. Ah, si! Je retire ce que j'ai dit. On va voir s'il peut nous proposer quelque chose de sympa. Sympathique ce qu'il nous a proposé, donc on a de la chance en vrai d'avoir dépensé 2 clés et 1,5 cœur pour ça. Ah, c'est plutôt cool en vrai, il nous met bien, il nous met bien. Bon, j'économise ma clé pour après. Ouais, cœur remboursé avec... Waouh, c'est vraiment cool. En vrai, vous savez quoi? On a énormément de cœur. Moi, je vous propose d'aller s'amuser et d'aller faire des petits tours au DD. Let's go. Ouais, ouais, on a une armée de cœur. C'est bon, on est tranquille. On peut se faire plaisir. Let's go. Deuxième étage validé, on part au troisième étage, les amis. Salut Blacky, ça roule et toi, poulet? Comment tu vas? On est à 7 minutes quasiment, il nous reste 13 minutes du coup pour le boss rush. Troisième étage. Ça va. Sachant qu'on a pris pas mal de force et on a pris quand même un beau damage up avec, avec la marque. Plus du coup de la vitesse d'attaque avec l'item du boss juste avant. Plutôt cool. Plutôt cool, on pourra peut-être clear l'étage assez vite. Salut Ryan. Salut poulet. Ça va ou quoi? Comment il va? Tu vas bien Ryan? Ça va le poulet? Merci pour les bats, poulet, merci beaucoup. Pff, ah j'ai bug, j'ai merdé. Dommage, on était sur une run où j'avais pris aucun hit je crois. J'aurais pu avoir le A+. Eh tant pis, on l'aura pas. On va jeter un petit coup d'œil quand même parce que je suis curieux. Ouais, non. J'ai pas de bombe de toute manière, donc le problème est réglé. Tac, nickel. Ça devient un peu plus sérieux ici. Hein. Ah, j'ai fait une run avec The Lost hier, c'était trop bien. J'avais récupéré du coup le sablier temporel, vous savez, qui permet de se téléporter dans la salle en arrière. Et donc, en fait, à chaque fois que je rentrais dans une item room, si l'objet m'intéressait pas, génial. Polychori, nickel. Augmente la taille des larmes d'Isaac. Et en plus, on a des larmes spectrales. C'est génial, c'est trop bien. Allez, let's go. Les murs ne nous font plus peur.
Ah, vu nos dégâts, on n'a pas besoin du coup de s'inquiéter de ces baits. On a un petit rocher marqué au fond de la salle, on en profite. Hop, un cœur en plus. Ça vaut pas le coup encore là d'ouvrir le shop. J'ai que 10, j'ai même pas 10 pièces en fait. Quand j'arriverai au moins à 10 pièces, let's go. Pour l'instant, ça vaut pas le coup. Nice. Des bombes à gogo, on en avait besoin, ça tombe bien. Et là, en checkant, on voit qu'on n'a pas de possibilité de secret en dessous ici, là. Je suis désolé, je suis un peu speed parce que boss rush, à chaque fois, ça me met en pression. Obligé de se manier le fion. T'as pas le choix. Là, je devrais limite, en fait, directement à l'étage d'après. Pour passer en cave 2. Possibilité de super secret ici. Ouais, nickel. Que des cœurs. Ok, si on pouvait trouver un petit bonhomme qui a une banque de sang ou une banque de sang avec un diable, ça pourrait être bien aussi. Ça, on va pouvoir l'ouvrir. Salut Momo, ça va ou quoi? Oh, lucky coin! Putain! Il faut toujours regarder le jeu, tu vois. C'est, tu peux toujours avoir une dinguerie qui te pète à la gueule. Voilà, on est à 16 pièces. Nickel. Oh, nice! Mes amis, c'est parti. Mystery Gift, je prends tous les jours. On a fouillé l'entièreté de l'étage. C'est nickel. On va voir s'il n'y a pas une petite... J'ai mis au mauvais endroit. C'est là que je voulais mettre. Petite secret. Il y a de grandes chances qu'il y ait une secret ici. Voilà, nickel. Allez, mon petit gars. J'ai confiance en toi. Je sens que tu vas me donner un HP up. Ça pourrait être vraiment cool pour le Devil Deal. Ouais. Après, il a donné direct en plus. Hein. Franchement, il s'est pas fait prier. Généreux, le petit gars. Voilà. Oh, la boîte d'allumettes, nickel. Ok, donc on va récupérer les deux bombes. La louffe, on la récupère pas. On a le trombone, donc c'est mieux. On a dit que c'était mieux, donc... On est à 10 minutes. Je pense qu'on peut arriver cave 2 à la 11e minute, à mon avis. Ça devrait le faire. La musique est énervée. La musique du jeu? Ouais. Sur les boss, ouais. Oh, ce boss de merde. Nice. Allez, c'est bon, lui a fait la peau. Un petit HP up en plus de la monnaie pour le DD. Bim, qu'est-ce qu'on a? La liste de la mort, je prends. Et le super mendiant qui va ramasser les cœurs au sol pour les transformer. Les cœurs rouges pour les transformer en cœurs noirs. Ça, c'est parfait. Allez, vas-y. Je te laisse faire ton petit marché. Tout ça pour une araignée? Je me fais un peu entuber. Oh, merde, fallait que j'utilise l'objet. Je me suis déconcentré deux secondes. Ça va, Divi? Comment tu vas? Ça roule ou quoi? Mais non, je triche pas, arrête, c'est pas vrai. Jamais je triche, moi, c'est pas vrai. Ah, en plus, là, pour l'instant, ça va, ouais, c'est chill. Donc, la liste, elle, c'est vraiment trop cool. Je sais qu'il y a Bluzy, par exemple, il aime pas. Il trouve que c'est de la merde, mais moi, j'aime beaucoup la liste. Dans le sens où, si t'arrives à tuer les ennemis dans l'ordre, en fait, tu peux avoir des bonus de fou furieux. Genre là, voilà, j'ai gagné un cœur bleu. Voilà, j'ai gagné un cœur bleu juste à faire ça, quoi. Bah, je trouve que c'est dinguerie. Donc ouais, hein, des fois, ça, c'est trop compliqué. Dans des salles où il y a trop d'ennemis, laisse tomber, quoi. Tu peux pas, c'est mort. Mais, dans les salles où tu peux le faire, bah, c'est génial, quoi. Genre là, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas chercher, du coup, à tuer les ennemis dans l'ordre parce que la salle, elle est immense. En plus, c'est des volants, donc, du coup, ça va prendre 10 plombes. Mais dans les salles où tu peux le faire, où ça changera pas grand-chose niveau timing et où c'est pas trop prise de tête, bah, je le fais. Et franchement, bah, ça augmente des stats. Ça peut t'augmenter des stats, genre ta range, tes dégâts, genre... ça peut te donner des objets aussi. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça m'a donné un cœur. Un cœur bleu. Donc vraiment worse. Là par exemple, ici, il n'y a pas besoin de forcer pour le faire. On va pas se mentir. Voilà, et j'ai gagné donc du shot speed up. 0,20 en shot speed up. Trop bien. Qu'est-ce que tu me donnes? Le pied de mom écrase le boss. Ouais, cool, ça c'est bien. Tac. Ça, ça m'intéresse. Speed up. Toutes les pilules sont bonnes avec lui. Ça, c'est ça qui rend le perso vraiment broken. Voilà. Donc, vous avez vu. J'ai terminé la salle. Il n'y avait rien dans la salle. Ok? Il y avait rien dans la salle. Hein. On est d'accord. Hein. Eh bien, la fameuse liste. Comme j'ai terminé la salle, ça m'a donné donc 0,50 à la vitesse d'attaque. Dans les salles comme ça, c'est free. Ça vous augmente des stats automatiquement. C'est trop bien. Ou ça vous donne un objet, quoi.
C'est pour ça que c'est fort. Rien que les 0,50 du coup de vitesse d'attaque en plus, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ok, le deuxième il est là, on le tue. Ah, attends, 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 ah. Vas-y, on le tue. Ah, nickel, c'est bon. Voilà, une pièce de 5, let's go, la force. C'est de la monnaie pour le DD. Dans ces pièces-là, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer, on va pas se prendre la tête, bim. Ah, mais la liste, moi je trouve vraiment que c'est broken perso. Voilà, c'est pareil, là je vais pas me prendre la tête, ça va être chiant. Opération, on neutralise sans réfléchir, let's go, comme si j'avais une batteuse dans les mains. Allez, bim. Puis les noms identifiés. Voilà, c'est pareil. Putain, elle a bien bouffé à la cantoche, elle, la vache. Vous avez vu la taille du machin? Oh, le bruit qu'elle fait, elle fait peur, on se croirait dans un film d'horreur, tu sais. Oh la vache, j'ai l'impression d'affronter, je sais pas, un monstre terrible. Mais ouais, là, du coup, pour moi, la liste, j'ai déjà rentabilisé, quoi. Donc, si on le récupère à la fin du jeu, ça sert plus à rien. Mais si on le récupère en début, c'est plutôt cool. On va pouvoir aller à l'étage après. Il nous restera 5 minutes pour faire, du coup, les deux étages sombres. Tac. Ouais, on se casse, on se casse. Allez, go. Go, go, go. Blue Driver qui s'abonne pour le premier mois à la chaîne. C'est super cool. Merci Blue Driver. Merci de soutien apporté à la chaîne. Un grand merci Paulet. Alors ouais, le boomerang c'est fort, j'aime beaucoup. Mais le problème c'est que bah j'ai merdé. Je suis obligé de jouer avec le... Il faut que je tue celui de... Oh, ça va être chaud. Ouais, oh là là, j'ai merdé. Là j'ai pris un dégât juste parce que je voulais du coup augmenter mes stats. Ouais, mais c'est pas grave, on va voir si ça vaut le coup. Tout ça pour une clé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le coin join. Parfait! On a la forme de coin join, c'est nickel. Trois familiers débloqués. Let's go. On a 15 minutes comme c'était prévu. Allez, 2 minutes 30 pour faire chaque pièce, pour faire chaque étage. Là, on met les bouchées doubles, hein, let's go. On cracherait pas sur un petit HP up, ça serait vraiment cool. Un petit damage up, pardon, excusez-moi. Oh, j'arrive. Tous les ennemis qui génèrent des pets. Malheureusement. C'est quasi impossible du coup de réussir à tuer les ennemis dans l'ordre. Vu qu'ils génèrent beaucoup, s'ils génèrent plusieurs pets et tout, ça devient ingérable. Ah par contre ici, voilà. Ah c'est pareil, c'est le même délire. Hop. Salut Alès, comment tu vas? Ça va poulet? Attendez, je m'impose une petite seconde. Monsieur VTX, 49 mois, nom de Dieu, merci beaucoup. Je suis beaucoup moins présent mais je passe en lurk. Merci pour la lurk, Poulet, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien, monsieur VTX. Et merci de ton soutien, Poulet. Et salut Alès, et bon appétit, Poulet. Bon appétit à toi. Salut Loli, comment elle va? Et courage pour le taf, Lolo, des bisous à toi. À tout à l'heure, peut-être. Ok. Voilà, le souci, c'est que lui, il meurt. Il lâche donc deux petits familiers en mourant. Et bah, malheureusement... Malheureusement, du coup, il faut les tuer dans l'ordre après. Et comme là, on est un peu pressé, pas forcément évident. Oh, la pierre sale. Voilà, parfait. Ah, c'est pas terrible, ça. On va doubler les bombes. Let's go. On va augmenter notre vitesse de déplacement aussi. On va en avoir besoin pour rush. Je suis curieux, on peut tenter une petite secret ici. Non. Y a pas, ok. Ah, je grille tellement que je me prends même plus la tête à les tuer dans l'ordre alors que ça serait vraiment fort. Ça pourrait me donner des dégâts en plus. Hein. Ça serait worse.
Faut qu'on trouve l'item room en vitesse. On a trouvé la salle du boss. Oh les amis, je dois vous abandonner deux petites secondes. Je vous avais dit que j'avais une petite livraison, j'arrive tout de suite. Bougez pas. Je suis de retour les amis. Ouh, désolé, j'ai couru. J'ai dû monter en plus de couilles là-haut là. J'ai reçu un sacré paquet là. Je me suis acheté un tapis de course. Un tapis de course et tapis de marche aussi. Comme du coup ça me permettra de... Des fois j'ai le temps de rien en fait, ça va tellement vite que je vais pouvoir installer mon tapis de marche de temps en temps du coup. Le matin, faire les miniatures et en même temps marcher. Ou courir. Bref, ce sera pour faire encore plus de sport et pour Madame Varg aussi, elle me disait que ça lui ferait plaisir du coup d'avoir ça, donc on va voir. Il est fou. Bah non, mais comme ça, ouais, c'est bien, c'est cool. Ce sera encore plus en forme. Tu vas faire des streams en courant, t'es motivé. Et en plus, j'ai pensé à un truc. Tu vas rigoler, mais j'ai pensé à un défi que je pourrais mettre pour les prochains 24 heures. Faire une game en tueur et en même temps, je dois courir avec le tapis à la vitesse maximum. Genre un truc comme ça, tu vois. Faire une game Légion et en même temps être sur un tapis de course et courir. En fait, l'avantage, c'est que c'est un tapis de course spécial que je peux démonter en 3 parties. Et donc, je peux mettre le tapis sous mes pieds. Et il n'y a pas la partie, vous savez, comme tout le tapis de course, où ils ont une partie en haut où tu peux mettre tes mains. Je peux l'enlever, ça, si je veux. Et quand même le faire fonctionner. Donc, je peux vraiment le mettre sous le bureau, sans problème, sans qu'il y ait le truc devant, et je peux accéder au clavier et à la souris. Voilà, donc j'ai pensé à des défis comme ça à la cour aussi qui peuvent être drôles, des petites nouveautés. Bref, affaire à suivre. Sous le bureau, ouais, je peux mettre le tapis de course sur le bureau, ouais, ouais, ouais. J'ai plein d'idées de défis pour toi aussi sur DBS si tu veux. Nice. Cosplay Légion Swoon. En cosplay carrément. Je sais pas. Encore un Strange, ouais, c'est cool. Alors attends. 17, 17. Ah nickel, c'est bon, on a trouvé. Nice, on a éliminé tous les jumpers. Voilà.
putain, c'est de la merde. On aurait pu l'éviter, ça. Ça peut être vachement intéressant, mais bon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me faire 5 mobs d'affilée. Si j'avais un truc pour me téléporter, ça aurait été worse, mais j'ai pas. Dommage. Hello, monstro. Nice, vas-y, vas-y, meurs, monstro. Donne-moi des dingueries. Ok, nickel. On récupère ça après. Oh. Il paye pas le DD. Hein. Ouais, il paye pas. Invoque familial aléatoire. Allez, go. On se dépêche. C'est quoi l'objectif de la run? On va essayer de faire un boss rush, ça serait vraiment cool. Le problème, c'est que là, je suis à la bourre. Je suis un peu à la bourre. Un peu beaucoup, mais on va pas se mentir. Non, prends pas le coffre. La même salle que tout à l'heure, ok. Avec des mini monstros. Là, il me propose quoi? Oh, nice, merci. Allez, on rush en haut. Oh, les salles de merde. Vas-y, tu sais quoi? Ah, oh, Wazef. Go bourrinage. No time. Oh la pièce. J'y retourne. Je prends la pièce. Pas le choix. Des dingueries. Des dingueries, des dingueries. Ouais. Salut les gars, ça va? Allez, bisous. Pièce rapide, c'est bon. Nice. Aïe, mom! Allez. Nice. Le chrono, regardez le chrono s'il vous plaît. Vous voulez bien regarder le chrono là-haut? Ok, objectif atteint les amis, c'est nickel. Et on a pu prendre le temps de récupérer des choses et tout, hein. Mais c'est pas 30 minutes, 20 minutes boss rush, 30 minutes Zioche. Et Zioche, c'est quand t'as battu le quart. Ah ouais, l'optimisation du chrono, je te promets. Alors, ouais, piment oiseau, c'est sympa ça. C'est fort. C'est fort le piment oiseau. Oh la sinusite, c'est broken. Oh go sinusite, on va, let's go. Sinusite tous les jours. Elle m'a coincé. Mais elle est dead, c'est bon. Ah le bâtard. Trop bizarre de voir la sinusite comme ça. Tu m'emmerdes. Attends. On va invoquer des bêtes. Oh la mouche. Ah c'est trop bien. Vas-y, je peux rester statique. Enfin, à part quand il y a des ennemis qui te chargent comme ça, mais... Ok, il est mort. On se restabilise comme ça. Le truc dimensionnel, il fait son job. Bon, lui bouge trop donc pas de choix, on va le traquer. Et heureusement qu'il était pas plus haut parce que sinon je pouvais pas j'étais condamné à subir le dégât sinon. Ah je vole pas. Ça fait trop bizarre de voir la sinusite de cette couleur. Ouais, à une seconde, merci Major. Ah, je suis content.
C'est pas passé loin, hein, t'as vu. C'était chaud, hein. Allez, Format, comment il va? Ça va, ça avance bien sur Isaac ou pas? T'en es où? T'en es où d'Isaac, poulet, dis-moi. Attention à la brime. Ok, on en a tué un, c'est cool. On va s'occuper de Loki. Attention à la troll bombe. Putain. Attention, double charge. Ah, c'est bon, il est dead. Nickel. Merde, putain, je me suis coincé. J'ai vraiment de la luck, hein. Je me suis coincé avec le... Je me coince avec les rochers, mais ça va. Oh, Dédé. C'est beau, ça. Le problème, c'est que les rochers sont tellement sombres que je vois pas la diff entre les rochers et le sol. Oh non, c'est horrible. Ok, ça c'est aise. Une belle saloperie, ça. Ah, putain, l'araignée! Merde! Saloperie! J'ai plus de pression avec les tirs, ça c'est génial en vrai. Grâce à la super mouche. Bon, la sinusite qui lui met tarot là par contre. Ah, oh, il a pris tarif avec la sinusite! Ah, un boss rush, c'est vraiment cool, hein, le bouquin des familiers. Ah, on a une armée de familiers, laisse tomber, quoi. Ah, le petit gars qui m'a drop un cœur noir, c'est trop bien. Nice. Alors, j'ai rien avancé, je suis en déplacement en ce moment, j'ai pas trop le temps de me pencher sur Isaac. J'ai fait une run début de semaine, mais je suis dead à l'avant-dernier étage. Merde! Je me coince encore du coup avec ces rochers là que je vois pas. Comme un noob. Quand tu dis dernier étage, c'est où? Pour voir un peu ton avancée. Je pense que c'est fini, non? Ça va être ta dernière vague. Avant le cœur de môme. Ah, t'es au cœur de môme encore? Tu l'as battu combien de fois, tu sais? Tu te rappelles ou pas? Waouh! L'esquive! Putain, j'ai chaud! Tu dois encore battre le cœur de môme 10 fois, c'est ça, poulet? Quatre fois pour le mât. Ça marche! Moi qui pensais que c'était terminé. Oh putain! Nice. Ah, c'est la fin. Nickel. Piggy bank. Ça c'est cool. La petite piggy bank. Enfin, je vais faire une passe à mon petit diable. Vas-y. Cool. Vas-y, vitesse de tir. 1,81, let's go, c'est trop bien. On utilise ça. On utilise le Joker. Joker. Et vous savez quoi, on va tout prendre, on va pas se prendre la tête. Bim. Et bim. Hop.
nickel. Oh, j'aurais pu garder le Joker pour le boss de fin. C'est bête ce que j'ai fait. Pour avoir une garantie d'aller voir d'aller voir Satan. Ah, c'est dommage. Bad move de la part du streamer. Merde. Ouais, ça aurait été plus rentable d'aller voir un petit Satan, là. Ah, j'avais la garantie à 100% d'aller voir Satan, quoi. C'est con. Ouais, c'est pas grave. Arrête d'être dans le regret, putain. Oh, les défis, quoi. Les défis sur DBD avec le tapis de course. Quelle idée, quoi. Putain, sans déconner. On est remboursé. Wouah, dinguerie. Des dingueries. Ah, avec Kane, ça vaut vraiment le coup, les curses, hein, quand même. Si t'as suffisamment de cœur pour y aller, franchement, c'est très intéressant. Avec toutes les pilules qu'il peut y avoir. Ça, c'est vraiment une salle de merde. Peut-être pas toi-même, avec ces défis à la con. Infested. Allez, un en moins. Ah, on va avoir un petit bonus en plus. Nickel. On a gagné quoi? Un cœur bleu. Nice. C'est plus que rentabilisé, mais pour moi, c'est broken. C'est full broken. C'est vraiment un objet incroyable. Je comprends pas qu'on puisse pas aimer cet objet, quoi. C'est pour moi, c'est vraiment... C'est insane. C'est même si... Tu gagnes pas à chaque salle et tout. Même si des fois tu galères un chouïa. Il y a des salles où tu le rentabilises instant. Si j'utilise deux bombes, je peux ouvrir ce coffre. Ça m'intéresse. Ça aurait été plus intéressant de bomber de l'autre côté, mais c'est pas grave. Juste prudence. Ça. Oups là. Voilà, nickel. Ok, on va éviter de se péter la gueule, si possible. Nice. La petite carte à la place d'Infested. Maybe. Fait apparaître la totale, la petite justice. Nickel. Et on va tenter une bombe ici. Nope. Ici. Aïe, 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 on s'est précipité, voilà. C'est la sauce. Attends, on va être dans la salle d'après. Voilà. C'est parce que c'est luck up, jackpot. Et ça, c'est encore un infested. Bon, go le récupérer, hein. Normalement, ça tue les ennemis dans la salle, non? Ah, c'est pour chaque ennemi dans la salle. Invoque une araignée bleue pour chaque... Ah non, c'est une autre version, ok. T'as une version en fait où c'est pour chaque ennemi dans la salle, ça va te faire cet effet. Il est généreux le jeu, n'empêche, hein. On va tenter une échelle de corde par ici, tiens. Non, il n'y en a pas. On se rapproche de la fin de la run de toute manière, donc bon. Autant tenter des trucs. Une petite question. Lucianis, salut à toi. Ouais, je t'écoute. La carte et la traduction des objets, c'est des mods. Oui, exactement. Alors, ma carte, non, par contre. T'appuies sur tab, en fait, et ça t'agrandit la carte. On va pouvoir faire le boss. Il y a une petite secret ici, c'est sûr. Et je pensais. Désolé. Super secret. Putain, mais merde! Mais c'est pas vrai! Pas de rocher marqué. Oh, c'est un sac à merde! C'est le pire boss du jeu! Il
il est infâme. Et t'as sa version là, il a une version de lui là où il balance des bombes et oh là là, c'est un enfer. Et lui, ouais, lui c'est un sacré morceau. Hein. Ah ouais, lui c'est un sacré morceau, c'est clair. Pas intéressant tout ça. Dans le Dead Cat. Regardez Guppy, il est pas incroyablement... Bon, c'est triste hein, de le voir dans cet état-là, mais... Vous avez vu comment les items sont stylés avec le mode, c'est trop bien, non? Je suis fan, en vrai. De voir les items comme ça, c'est trop beau, quoi. Non. Saotiki, arrête, c'est beau. Non, je sais que t'aimes pas. Ça, c'est parce que t'es trop habitué. Ouh, soin complet. Avec que les cœurs bleus. Eh... C'est quoi le mode? C'est dans la commande au-dessus. Y'a Mercou qui vous l'a envoyé. Merci Mercou. J'utilise pas beaucoup de mode. J'en utilise pas beaucoup, j'en utilise quelques-uns, mais... Je suis sûr qu'il y a un rocher marqué, là. Mais ouais, le dernier que j'ai installé, je trouve qu'il est vraiment fun. Et merde! Ah, dommage. Après, il y a une strat pour le récupérer, on l'avait fait la dernière fois. Si j'ai le vortex, je peux le récupérer, mais bon, là, j'ai pas. Vas-y, mon pote. On va récupérer le petit cœur. Voilà, viens ici. Non, rien, ok. Ici, il y en a un autre. Allez. Allez. Oh, il a largué une araignée de merde. Ouais, bah vas-y, go sur le boss. Allez, on colle la sinusite sur le cœur. Et pourquoi est-ce que je suis monté d'un coup? C'est des personnes qui ont le même problème que moi, des fois mon Isaac il se met à partir en couille, il fait des moves que je lui ai pas demandé de faire. Ça, ça me rend fou. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, ça aurait été vraiment cool que tu me donnes un petit joker. Je sais pas pourquoi ça fait ça en vrai, je comprends pas. Des dingueries de joker, j'ai merdé. Hein. J'aurais vraiment dû l'utiliser pour Satan. Si on a une run où on peut aise Satan. Hein. On fait pas non plus des dégâts de fou furieux, mais on a la sinusite, et ça, c'est pas rien. Allez, vas-y. Ah, mais en vrai, c'est trop cool. Mais, on veut un joker. Donne-moi un joker, s'il te plaît. Donne-moi un joker. Ça va être dur d'avoir le joker. Ça peut pas être ici, il nous faut un secret. C'est cool, mais... J'ai pépé. Ah, j'ai pépé. Pas de joker ici. Toi non plus, t'as pas de joker à donner. T'as un bourricot. Ah, je récupère les deux pièces. On va peut-être pouvoir trouver, je sais pas moi, une machine pour... Je suis sûr qu'il y a une pièce. Il y a une arcade room quelque part. Allez, arcade room s'il te plaît. Ce sera ma dernière chance. Petite arcade room là. Allez. Putain. Terrible. Pas de rocher marqué. Oh là 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 là.
C'est Guts. Les 23 mois d'abonnement à la chaîne. Guts, j'ai un merci poulet. Merci Guts. Merci de ton soutien poulet. Ouais non. Lui il... Oh là 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 là. Ok. Et c'est la dernière salle malheureusement, on a tout ouvert. C'est dead. Allez, c'est pas grave en vrai. On a fait on a déjà fait une belle progression, c'est cool. Il peut pas me donner de cartes hein, notre ami là. Il peut me donner des cœurs par contre. Il peut me donner des cœurs et le petit diable peut me donner un joker du coup derrière. Il y a ça hein. Tu as débloqué monnaie égale power. Non, je crois pas. Non, non, je crois pas. Voilà. Allez, vas-y, mange-les. Enfin, j'aurais kiffé avoir une salle avec... avec plein de cœurs rouges, tu sais. Cette maudite salle, je la chope que quand j'en ai pas besoin à chaque fois. C'est un délire. Quel enfer. Les clés. Joseph. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de galérer comme ça? Des cœurs? Encore un cœur noir? Non. Pas d'intérêt à mettre ça ici, il peut y avoir des cœurs dans ces trucs-là. D'ailleurs, la dernière fois avec Blue Baby, je me suis reposé dans un lit, ça m'a mis full vie. Alors ouais, je t'explique pourquoi. Ok, c'est bon. Problème réglé, c'est terminé les amis. T'expliquer pourquoi tu vas comprendre. En fait, on cherche une échelle de corde. C'est mon dernier espoir en fait pour pouvoir dernier espoir pour pouvoir aller du coup plus bas. Mais y a pas. Ouais, y a pas. Tant pis. En fait, quand tu vas dans un lit, si par exemple t'as un, ne serait-ce qu'un seul cœur rouge, tu vois. Ça te donnera pas 3 cœurs. Si par contre t'as aucun, tu vois actuellement comme moi, j'ai aucun cœur rouge. Si t'as aucun cœur rouge en fait, ça va te donner 3 cœurs bleus en te reposant. Si par contre t'as ne serait-ce qu'un seul cœur rouge, ça ne te donnera pas 3 cœurs bleus. Par contre, si, admettons que tous mes cœurs là tu vois, ce soit des cœurs rouges, et qu'il me reste plus qu'un seul cœur rouge, que tous les autres cœurs, tous les autres réceptacles sont vides parce que j'ai pris tarif, et bien là d'aller dans le lit en fait, ça va me soigner tous mes cœurs rouges. Tu vois le truc? Voilà, ça a plusieurs possibilités en fonction du coup de... En fonction donc de tes HP dans la run. Ça s'adapte en fait en fonction de tes HP dans la run. On sait pas ce que c'est. Petit fly. Ok. Ah, la double pretty fly. Dernier espoir. Tant pis. Allez bim. C'est pas grave, c'est une belle run quand même. Everything is terrible. Belle run, cinquième fois du coup qu'on fait le cœur. Nickel, c'est bien, ouais, c'est cool. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Il faut qu'on avance. Alors, je vais le plus rapidement possible, je suis pas pressé de terminer Isaac, évidemment. Mais l'objectif, ça va être donc de battre le cœur 10 fois. D'essayer de battre du coup Satan, si possible, le plus de fois possible, pour avoir directement la négative aussi, pour aller voir The Lamb derrière. Même si on a déjà battu The Lamb une fois, on a grugé, on a réussi à gruger grâce à la Sacrifice Room. Ensuite... Donc dès qu'on a eu le cœur 10 fois, on a accès donc ensuite aux étages d'après, donc cathédrale et Sheol. Et on a accès donc à Ziyosh aussi. Quand on aura battu Ziyosh 3 fois, on aura accès aux étages repentance. On ira se faire donc Mother, et quand on aura battu Mother, on aura accès à The Beast. Et une fois qu'on aura accès à The Beast, on aura accès au Tainted. Et mon objectif, ça serait de très rapidement débloquer T-Keeper pour aller faire la run Tainted avec lui, pour aller faire Mega Satan. Pour débloquer la pièce d'or que je trouve broken. Pour moi c'est un des items les plus sympas, je trouve, du jeu. Pour pouvoir avoir du coup la possibilité d'avoir une pièce en or qui repop quand je la récupère. Et ça c'est trop bien. Ça c'est ça mon objectif du coup. Et pour ça donc, il va falloir également débloquer donc Keeper. J'ai pas le choix. Et pour débloquer Keeper, il faut mettre 999 pièces dans la machine. Dans la machina.
du grid mode. Ah, c'est de la merde. Oh, pire truc ever. Par contre, on a récupéré une agrafe pour commencer, et ça, c'est vraiment très cool. Ouais, petite agrafe, elle fait très plaisir. 3 pièces. Une sur 4 flammes, on a détruit... sur 4 flammes détruites, on a récupéré 3 pièces. C'est... très sympathique. Là, on a un truc plutôt cool aussi. Plutôt sympa. J'irais bien faire un saut en bas, mais le problème, c'est que j'ai que 2 cœurs. Du coup, ça me fait un peu peur. Donc, on va attendre de voir comment ça se passe ici. Ouais, c'est du grid, donc c'est quand même plus simple à gérer que le gridier. Il doit y en avoir un dans chaque coin, c'est ça? Oh, ils sont pas très dangereux ceux-là, de toute manière. Ceux-là, ils sont plus chiants déjà. Attention à sa tears. Voilà, nickel. On élimine les ennemis les plus chiants déjà pour commencer. Et les plus dangereux. Celui-là par exemple. Ennemi d'élite. Il me met un coup, il m'enlève un cœur entier, ça fait mal. C'est quoi la suite? Des mouches énervées. Franchement, c'est triste. Ok, parfait. On va se faire plaisir. On va pouvoir récupérer ça. Ça va augmenter donc ma range et en plus la taille de mes larmes. C'est nickel. La stat, une petite seringue qui nous permet donc d'augmenter nos dégâts. Et un HP up qui va nous permettre d'aller faire un tour dans la curse. Trop bien, on est gâtés. On est vraiment gâtés, franchement. Ah ouais, on a un beau début de run, là. Oh, 2 pills. Puberté et une expérimentale pills. Je pense que ça m'a enlevé un point de vie. Ah non! Pardon, excusez-moi. Expérimentale pills avec le Lucky Foot, que vous voyez du coup en bas à gauche. Effectivement, ça donne qu'un effet positif et il n'y a pas de malus en fait. Donc, let's go, trop bien. Trop bien, trop bien. Liltrex, les 19 mois d'abonnement à la chaîne, tu gères, c'est trop gentil. Comment tu vas? Excuse-moi de te remercier aussi tard. Je suis désolé. Comment tu vas? Dis-moi, ça va? Comment il va le grec piraté? Ça roule ou quoi? Le full heal avant Dogma fait plaisir dans The Home. Ouais, grave. Salut Néo, ça va poulet? Monnaie égale power est débloquée de base, pas besoin de faire quelque chose en particulier. Ah bah nickel, merci pour l'info. En fait, avant, dans le tout premier Isaac, il fallait tuer Mom Earth 8 fois. Mais plus maintenant, ça marche. Le creepy, eh bien à plus mon poulet, bonne journée à toi. T'es parti pour le boss? Ah, les dégâts qu'on fait. Elle m'a porté à 9,50, elle fait vraiment plaisir, on va pas se mentir. Ok, nickel. Alors, on va partir sur de l'Angel Room, on a pas beaucoup de cœur. Et ça, c'est vraiment broken en plus. Oh là là, si on pouvait récupérer encore autre chose. Ouais, c'est pas trop gourmand. Oh, c'est cadeau. Alors c'est cadeau, mais si je faisais très peu de dégâts, je pourrais me retrouver overbooké dans une salle comme ça avec ces deux-là. Hein. On pourrait clairement se retrouver overbooké, ouais. Donc 3 cœurs rouges. J'ai un peu peur de DD. Je vais pas être gourmand, je vais aller Angel Room. Ouais, ouais, go Angel Room, let's go. Ça va super bien, j'ai réussi à trouver un stage. Oh, bah c'est cool ça, nickel. Il one-shot déjà les boss. Non, arrête, c'est pas vrai. Hello, Dave Magnus. Alors, good news. Ouais, c'est rarement positif. Les interrupteurs ici sont rarement positifs.
Pas de mouche grise, nickel. Il en reste une petite. On va aller voir ce qui se passe du coup. Ici, un peu plus de débit. Jackpot. C'est exactement ce dont on avait besoin. Un petit peu de débit. Attends, il m'a donné une clé le jeu aussi. Wars. Incroyable. Un petit familier pour nous accompagner durant notre aventure. Et on est parti. Bah j'élimine d'abord ceux qui tirent parce qu'ils sont chiants. Ah ils sont chiants. On va dire que les autres sont pas compliqués à gérer quoi. Oula. Ah il me pop en plein sur la tronche. Nickel. Alors on a quoi ici du coup? Des dégâts en plus avec Steven. Un de dégâts supplémentaires, ok. Non, moi ce qui m'intéresserait, tu vois, c'est de voir un peu ce qui se passe avec lui. Moi je sais qu'il a des dingueries à me donner. Hey, en plus des pills. Trop bien. Un petit peu de range up, ok, let's go. C'est cool. Je vais récupérer le cœur qui est ici. Allez, parle-moi. Il fait apparaître une bombe. Voilà, total, vraiment c'est trop bien. Merci mec. Ah putain. Ah tu me mets un duo comme ça en première vague. Ah t'es un peu énervé quand même le jeu là. Faut pas écouter Saroteki quand il dit que je one shot déjà les boss hein. Oh putain. Allez. On l'a eu dans les temps, c'est nickel. Ah, il me met ça et après il me met une chenille ultra speed. Là j'aurais eu les deux à gérer en même temps, ça aurait été sportif. Hein. Ah, ils auraient pu me bloquer dans un coin, elle aurait pu me charger, ça aurait pu être chaud. Perfect. Allez, je vous propose de continuer d'aller faire un peu de trad avec notre ami qui est là. Il a l'air d'humeur très généreuse. Ouais. Merci mec. Ah, tu fais plaisir. Tu fais plaisir, tu fais plaisir. Bon. Ouais, trois pièces, putain. Le trinket de la pièce, s'il te plaît. Donne-moi le trinket de la pièce. J'y crois, on y croit. J'y croyais. Non, c'est pas ça le son, putain, c'est ça. Putain, on s'est raté de tous les côtés, c'est terrible. Bim, un petit cœur en plus. Let's go. Steven, plus de dégâts, mais il donne rien de plus, quoi, Steven. Steven, sois généreux, putain. Sois généreux, nom de Dieu. Il veut pas. Paf. Oh, merde. Balance des araignées, je crois, non, c'est ça, hein. Ouais. Wow. Wow. Eh ben, t'en as pas marre de dégoubiller des araignées comme ça? Entourisac de deux auras, la monstrance. Ah, c'est sympa ça. Ça peut être cool, mais je pense que je vais plutôt prendre l'acte de contribution. Ouais, l'acte de contrition, pardon. Plus de débit, un cœur éternel, permet au refuge des anges d'apparaître, même si un pacte avec le diable a été signé. Plutôt cool, on va pouvoir switch entre les deux. Si jamais à un moment donné je me retrouve avec trop de cœur, bam, je pourrais. Je pourrais aller de l'autre côté pour. Je pourrais du côté du coup. Je pourrais faire des pactes avec le diable.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Plus de portée, ouais, ça nous intéresse, avec un cœur noir en plus. Avec une vitesse de tir supplémentaire. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Ouais, non. Je vais prendre les dégâts en plus. Je prends les dégâts en plus, let's go. Ça va ou quoi, Kokoshmi? J'espère que ça va. Tu as débloqué le trinket? De quel trinket parlons-nous? Ah, oh, c'est dommage, si j'avais pu utiliser mon truc, là, j'aurais pu ouvrir les deux coffres. Ouais, je peux pas casser des cailloux. Dommage. Le trinket de la pièce. Ah, il faut le débloquer! Ouais, je crois pas que j'ai débloqué. On est au tout début. Ouais, je pense pas que j'ai débloqué, Paulet. On est encore au début. Bon, faut faire gaffe, hein. Il faut être suffisamment fort pour pouvoir battre le boss, mais il faut aussi avoir suffisamment de thunes pour pouvoir blinder la machine. Ouais, mais ça, ça m'emmerde, en fait. Ça m'emmerde, mais je vais pas avoir le choix, je vais devoir le prendre parce que c'est broken. Ça, c'est insane! Double ball of steel! Le speed up et le range up! Oh là 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 là, c'est monstrueux ce qu'on récupère! On récupère des dingueries! Pardon pour ces bruits, hein. C'est pas moi, c'est lui. Hein. C'est pas se tenir. Hein. C'est terrible. C'est trop bien cet objet. Quel objet? L'objet pour déposer des bombes? Alors oui, mais tu remarqueras que ça se retourne aussi contre toi par moment. Je te jure, tu verras, il y a des moments où ça se retourne contre toi. Et quand ça le fait, c'est chiant. Si t'es un petit peu déconcentré, des fois, tu vas te bomber la gueule. Mais vraiment, je te jure. Une pilule inconnue, une pilule vitesse. On est bien niveau vitesse. Oh, placebo? Ouais. En plus, avec lui, c'est fou. C'est broken. Avec lui, c'est broken, le placebo. Mais on a un truc qui nous permet d'avoir des cœurs. De générer des cœurs et de faire des dégâts dans la pièce et de péter les rochers. Donc en soi, plus intéressant d'avoir ça. Ouais, le clou pointu augmente mes dégâts, ça réduit un peu ma vitesse. Mais j'inflige des dégâts de contact et j'écrase les obstacles. Ça fonctionne que pour une salle. Ah, des araignées, c'était sûr. Vu les dégâts qu'on fait, vu nos stats actuelles, très honnêtement, je vous propose d'essayer d'économiser. Et d'essayer de commencer à partir sur du... Ouais, on va essayer de trouver une carte, ça pourrait être cool. Y'a pas là? Ah, le débit en plus, il pourrait nous mettre bien par contre. Ah, le débit en plus, il pourrait nous mettre vraiment bien. Et en plus ça stun tous les ennemis dans la pièce. C'est ça qui est cool aussi. Ah ouais, ces vagues là elles sont infernales parce qu'en fait si t'arrives pas à neutraliser les monstres qui sont du coup tuables assez vite. Ah merde. Tu te retrouves avec des monstres invincibles qui tournent autour de la salle et qui sont vraiment chiants à gérer. Nice. Ok, parfait, ça c'est cool. On sort surtout pas parce qu'on a utilisé une carte qui a augmenté nos dégâts. Si on sort en fait, les dégâts on va les perdre. Donc autant en profiter pour gérer ce petit boss. Ok, les deux fantômes. Attention, on brime. Non. Ah, on peut l'avoir, c'est bon. Alors, War, t'es où? Pierre boss.
avec le boss araignée. On va voir, c'est pas toute la journée devant moi, hein. Ah, voilà, c'est bon. Nickel. Ah, ça, c'est cadeau, par contre. Le petit Devil Deal. Alors, la very good news, c'est qu'on a Strength, donc la carte de la force. On va pouvoir avoir un objet gratos. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. La petite tête de Guffy, là, toute mims. Elle est tentante, mais non. On va pas la récupérer. On a déjà vu le corps de Guppy tout à l'heure. Et on l'a pas récupéré, je crois. Attends, c'était sur cette run-là ou sur une autre run? Non, c'était sur une autre run, je crois. Hop. On va la récupérer pour tenter, du coup, un siamois. Un conjoin. Ça pourrait être cool. Et là, au niveau des pièces... Bah, écoutez, je vous proposerais de bomber ça. Si on pouvait trouver un Two of Diamonds, ça serait fabuleux. Mais non, ça sera pas pour l'instant. Ça, ça peut être bien fort. Ça peut nous permettre de récupérer un cœur à chaque fois. Vu qu'il nous reste quelques étages, je le récupère. Et là, je pense que j'ai plus besoin de rien acheter. J'ai un objet qui m'augmente mes dégâts. Toutes les 6 barres. Donc c'est vraiment fort. Ça m'augmente mes dégâts et ça me fait gagner un cœur noir en total. C'est giga cool. Sur le fromage, c'est bien, non? Ça te permet de casser les... Ça te donne un cœur, ça ralentit ta vitesse de dingue. Et tu peux casser après les rochers, si je dis pas de bêtises. Je suis pas fan, en vrai. Ouais, je suis pas fan. Ça y est, mes amis, on a le siamois. Nickel. Des dégâts supplémentaires avec un peu de portée. Vraiment très cool. Je peux écraser tous les cailloux, mais avec en fait la pointe que j'ai actuellement, je peux déjà le faire. Alors, voilà un truc qui est vraiment génial. Un truc qui est vraiment génial du coup, c'est le paquet de cartes. Quand tu fais le grid mode, c'est trop bien. On va essayer de les déployer ici, les cartes. Voilà. Est-ce qu'on a... Ah fuck, on l'a pas. Putain, c'est dommage. Ça aurait été cool. On va pas être de cœur rouge. Dommage, ça aurait été cool. Invoque un mendiant. Ah, et une génération du coup de tant de cartes, tu te dis... Il y a de grandes chances que j'ai un petit joker, mais... Non. Un petit joker, un petit Two of Diamond. Hélas, non. Pour débloquer le trinket de la pièce, je t'ai dit comment faire en haut. Merci Poulet, tu gères. Merci pour l'astuce du Devil Deal. Quoi, tu savais pas? Non, Poulet, tu savais pas? Pour la carte, du coup, de la force qui te donne un cœur en plus pour gratter un Devil Deal gratos, il faut jouer 100 fois avec le Bonto. Tu sais, le même que tu... à qui tu donnes une pièce et tu as un crâne à choisir. Ah, putain, ok, cool! Merci! Non, tu savais pas, et c'est trop cool, je t'ai appris un truc, ça fait plaisir. Ah, mais ça, c'est le bon truc à savoir. C'est la, pour moi, la carte force, en fait, c'est fort, hein. Mais jamais je l'utilise pour faire plus de dégâts dans une salle, ou alors c'est vraiment très rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette carte, effectivement, ça augmente tes dégâts et tout. Ça te donne des stats de zinzin, tu vois, c'est bien. Mais le problème, en fait, c'est que ça augmente ma taille. Et en fait, dès que j'ai une grosse hitbox, enfin, non, ça augmente pas ta hitbox, mais ça augmente la taille de ton perso. Et dès que la taille de mon perso a augmenté, je suis une merde, c'est fini. Y a plus personne. Si je me prends des coups que je me prendrai jamais en temps normal, tu vois. Ah, mais c'est atroce, je te promets, c'est... C'est je sais plus où je suis. C'est un réel enfer, mon poulet. Ça, c'est vraiment cadeau comme boss, tiens. Bim. Petite passe. Ah, du coup, la carte de la force, jamais j'utilise dans une salle. Alors, c'est vraiment parce que c'est la sauce de ouf. J'utiliserais, tu vois, si par exemple je suis en galère de dégâts, mais genre, mais grave.
Parce que j'ai aucun autre choix, quoi. Est-ce qu'on a besoin de faire le boss du... Avons-nous vraiment besoin de faire le boss du coup du Devil... Du Devilville? Non. J'en fous. Pas besoin. Ah, sympa ça. Hop, allez, un cœur de plus, bim. Alors, surtout avant de partir, il faut qu'on pense à faire ça. On pense à bomber toute la petite famille. Voilà, nickel. Pas de carte. Enfin, on a une carte là-bas, mais ça sera pas une carte of diamant, donc ça vaut pas le coup de l'acheter. Ok. Je tente sur une petite échelle de cordes, je me dis sur un malentendu. Bon. Problème de tout bomber en vrai. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller faire un petit tour dans la curse. On est à l'aise niveau cœur. On est grave à l'aise niveau cœur. On va aller faire un tour dans la curse. Ah mais ça augmente pas ta hitbox du coup. Non, ça augmente pas ta hitbox. Enfin, je crois pas. Bloody m'a dit que ça augmentait pas la hitbox. Ça augmente juste ta taille. Mais je crois pas que ça... Enfin, il me disait que ça augmentait pas la hitbox. Mais par contre, ça te met mal, quoi. Tu sais plus où t'es, quoi. C'est... Hein, tu sais pas comment faire pour éviter un coup. C'est un enfer, tu vois ce que je veux dire. Ah, perso, je déteste. Il peut y avoir des cartes là-dessous. Un familier. Une carte. Bon, c'est pas la carte qu'on veut, mais... Oh, pareil, en plus, un cœur bleu. Oh, la vache. Ah, putain, laisse tomber. Insane. Ok, ok. Ouais, clairement. Ouais, c'est handicapant de ouf. Après, t'as un défi. T'as un défi où tu dois justement agrandir le plus de fois possible. Et ça te débloque un secret. Je sais plus ce que c'est, mais t'as un défi comme ça. Je me rappelle que Honga, il galérait à le faire d'ailleurs. C'était le dernier truc qu'il devait faire. Ça faisait partie des derniers défis qu'il devait faire. On est sur une run à pets. Vous avez vu, on a 5 pets. 6 si on compte aussi les cavaliers d'Apocalypse qui nous accompagnent. Un petit cube off mute en réduction, sympa. Oh, Dead Cat. Ah ouais, mais ça vaut pas le coup. Ouais, nos 9 vies live, non, ça sert à rien. Rien. Ah, par contre, je peux tenter un truc. Je peux tenter un truc sympa. Permet à Isaac de porter deux cartes et transforme toutes les pilules en cartes. Alors, techniquement, c'est pas worse parce que les pilules sont vraiment insane pour ce perso, mais on est bien niveau stade, donc let's go, quoi. Ça va maximiser nos chances d'avoir, en fait, des cartes. On va avoir plus de chances d'avoir des cartes et peut-être on pourra avoir, du coup, un Two of Diamonds. Et voire même deux Two of Diamonds. Si on pouvait en avoir deux, ça serait excellent. Rien. Saruteki, dis-moi, ou Manu, comme vous connaissez très bien le jeu tous les deux, il y a une différence au niveau du gain de pièces entre le grit et le gridier? Il y a une différence, je crois, non? Bon là, ça sert plus à rien, du coup, je perds trop de pièces. Après, on est dans Utero, de toute manière. Hein. Utero, après chest, donc ça va, on a encore le temps. Ah, c'est fantôme Abrim, c'est les pires trucs. Encore un pet. Arrête, c'est abusé. Non, mais si je pouvais trouver BFF, ça serait incroyable. Ok, des araignées partout, attention. La petite bombe pour nettoyer la salle.
J'ai même pas fait l'effort de me décaler. Ah, j'étais vraiment en mode, vas-y, flemme. Putain, il va faire tout noir, on va plus rien voir. Ah, ça y est, il a sombri l'écran, au secours. C'est vrai, il y a des moments, je trouve ça vachement handicapant d'avoir l'ennemi qui a sombri. Parfait. Waouh, la dinguerie. Ah non, c'est abusé. Oh, la dinguerie. Sacré cœur. Meilleur item du jeu, quoi. On va pas se mentir. C'est bon. On est pas mal niveau dégâts. Salut, Kouravitli. Salut à toi. Comment tu vas? Ça roule quoi? Salut, Sandra. Salut à toi, Sandra. C'est l'heure pour moi de travailler un peu. À plus tard. À plus tard, Manu. Et courage pour le taf, mon poulet. Ouais, moins de pièces en grider. Ok. Ouais, ouais, il faut BFF. Hein. BFF, du coup, c'est le cœur qui augmente les dégâts de tes familiers. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un item qui va en fait augmenter les dégâts de vos familiers par deux. Et du coup, vu qu'on a masse familier, bah, c'est hyper intéressant, quoi. Ah là, ça serait super intéressant pour la run. Nickel. C'est abusé d'avoir autant de chance. Non, tu pourras dire ça quand j'aurai trouvé Tour of Diamond x2. Là, ouais, là, tu pourras râler et dire c'est abusé d'avoir autant de chance. Pour l'instant, bon. Ah, mais putain! Pour l'instant, bon. On est sur une raid normale. Ah, je crois. Ah, attends! J'avais oublié, moi. Secret? J'y ai cru au temps diamant, je jure. Je suis dégoûté. Ah, j'y croyais tellement. Multiplie le nombre de bombes d'Isaac par 2, 14, super. Ah oh, bah super. Du coup, là, vas-y, let's go. Salut Chacha, ça va ou quoi? Comment tu vas? Tu vas bien, Chacha, en forme? Yes. Du trad avec notre pote. Oh, petit mendiant, il est trop stylé. Franchement, il est trop stylé, le petit mendiant. Un Two of Hearts, c'est de la merde. Dommage. Soigne des cœurs. On est dans la dernière pièce. Là, si je pouvais avoir une réduction sur les bombes, en vrai, j'aurais fait... Sur les cartes, ça aurait été insane. Waouh, des pièces à gogo. Trop bien. On va les laisser pour plus tard. Tac. Ouais, c'est pas la bonne carte. C'est pas la bonne carte. Magicienne. Dégâts. Un réceptacle de cœur en plus. On arrête les dingueries. On peut pas se permettre du coup de dépenser trop de... Salut toi. C'est pas grave. The Stars. La force. Et l'arme auto-guidée, on les gardera pour le boss. Non, on peut les garder pour ici. Mon but, c'est d'avoir un Tour of Diamond. Après, j'ai déjà l'arme auto-guidée avec le cœur sacré, non, je crois. Je sais plus.
Waouh, y'a du monde, dis donc. Un petit prisme angélique, c'est très sympathique ça. J'aime bien. Ah, c'est cool. Y'a moyen de faire des dingueries. Genre comme ça. Youp là. Enfoiré. Genre comme ça. Youp là. Oh putain. La bombe. J'avais oublié. Aïe 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 aïe. Bon, il faut qu'on essaye de trouver, s'il vous plaît. Oh putain. On peut y arriver. Non, magicienne. Stars. Putain. Terrible. C'est terrible. Et après, tu dis que j'ai de la chance, Sarutaki. Non mais, sérieusement, poulet. C'est le mec le pire. Et après, tu dis que j'ai de la chance. Non mais là... Faut juste pas trop en demander en jeu. Oh, moi j'aurais aimé en deux runs mettre 999 pièces dans la machine, tu vois, mais bon. À skip, j'en demande trop, quoi. Là, je merdais, j'aurais dû avoir le réflexe de directement... Bah, attends, tu sais quoi, je vais mettre une bombe, on en parle plus. Voilà. Oula, oula, oula. Oula là. Oula là. Allez, on s'échappe. Donc il y a des cartes de partout. Tac. 2, 3. Qu'est-ce que tu nous proposes? Une carte de merde encore. Ok, ça nous intéresse pas. Et là, transforme toutes les... transforme toutes les cartes en pilules. Non. Non plus. Dernière tentative. Le jeu est en train de me ruiner. Ok, j'ai compris. Ça roule. Les poches profondes, faut faire quoi pour les avoir? Je suppose que c'est avec Keeper. Ouais, c'est avec Keeper, c'est sûr. Et on repasse à 999 pièces. Ouais, les poches profondes, c'est avec Keeper. Obligé. T'es en arc-en-ciel maintenant, même si tu cheats. Salut Warpred! Devil Eyes. Nickel! Imagine, tu fais une connerie, tu vas dans le coffre direct. 100 mètres de pièces. Après, ça se trouve, je vais peut-être avoir la machine qui va se bloquer vite. Hein. T'imagines la run de zinzin où t'as 99 pièces, t'as au passage du coup deux. T'as au passage deux. Oh bah merde. Deux as de carreau. C'est ça, hein. Non, c'est deux de carreaux, c'est deux de carreaux, pardon. T'as deux de carreaux, mais... Ah bah non, non, ça se bloque direct. Tu mets trois pièces, ça se bloque. T'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer. Allez, pour le fun, 200 pièces, la bim. Allez, hop. C'est aberrant. Je vais canner. Mais pourquoi tu vas canner? Tout va bien, regarde. La run, on l'a pris en combien de temps, d'ailleurs? 30 minutes, tu vois?
C'est bien, c'était rapide. Petit grid mode 30 minutes là, let's go. Bam. Mais ultra grid a pas de phase. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas encore débloqué le gridard. J'ai pas encore débloqué le gridard, c'est pour ça. Je pouvais pas exploser le boss pour avoir des sous. Non. Je crois pas, non. On peut. Ça route à qui? Les amis, on peut exploser le boss pour avoir des sous. Je crois pas, hein. Sinon, putain, je rate des thunes à chaque fois. Zod Sama! Zod! Merci pour les 8 mois. Merci beaucoup, Zod. Comment tu vas? T'as kiffé la Killer Stories avec le Trapper? Nice. Merci de passer sur les lives, Paulette, tu gères. Et un grand merci pour les 8 mois. Merci, Dirisab. Alors que moi, je galère sur Grid Mode. Ah, je t'assure que des fois, je galère aussi. Hein. Et les persos avec qui je trouve que le Grid Mode est vraiment dur. Bon, on reroll pas. J'aimerais reroll, hein, parce que là, bah, l'objet, bon, pas très intéressant. Mais non, on reroll pas. Oh fuck. Non, on reroll toujours pas. Avec Judas, je sais pas pourquoi le jeu il met des runs de merde là. La run d'hier, elle était éclatée aussi. Ah, la run d'hier avec Judas, elle était éclatée. Et au final, on a réussi à la sauver, hein. On a eu de la chance. Tac. Ouais, moins un de luck et pas d'objet aussi. Non seulement on a moins un de luck, ça c'est ce qu'on aurait aimé récupérer tout à l'heure, ça aurait été dingue. Ça aurait été vraiment une énorme dinguerie, ça aurait été trop cool. Objectif, si on arrive à optimiser un peu la run, je propose... Putain de merde. Je propose un petit... un petit boss rush, même si ça a pas l'air simple. Rentable. Gratuit. Nickel. Ok, c'est gratuit, c'est cool. On n'a pas de cœur. Allez, petit mendiant, on va les bomber, je pense. Je pense qu'on va les bomber, ce serait intéressant. Est-ce qu'elle peut être ici? Elle peut être ici. La run aurait pu se terminer d'un coup, là. Bien que ce m'aurait pas déplu, au final. À votre avis, en haut ou en bas? Ouais, tu sais quoi, je vais dire ici. Tous les coups, ce sera pas là. Oh, si. Incroyable. Des petites clés pour la suite. Nickel, pour l'étage d'après. Parfait. Et on va aller bomber... bon, pour récupérer deux pièces, c'est pas très intéressant. Par contre, bomber ici. Entre les deux, ça peut être chouette. Ouais, ouais, c'est sympa. Quelques petites pièces en plus. On a récupéré l'allumette. Plus 4 de chance pour les activables. Pour les objets qui sont basés sur la chance. Si je dis pas de bêtises. J'aime pas ces mouches collées. Vraiment une belle saloperie. Ah, il crache que ça en plus en forêt. Ah, ces mouches collées, vraiment, c'est un truc que j'aime pas. Il le sait en plus, hein. Il m'en a ramené d'autres encore, le bourrico. Oh putain, je suis dans la merde. Je suis overbooké. Mayday, mayday. Je suis overbooké. Tu vas crever. Tu vas crever, oui. Putain. L'esquive de Branco, Nami. Oh la vache, j'ai réussi à me faufiler parmi les mouches. Oh là 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 là. On va récupérer le cœur quand même, ça va peut-être faire le dingue. Ah, j'avoue, la bombe, ça aurait été bien, ouais. Allez, deux bouquins pour la route. Nice. Je suis Mercuria de bibliothèque, ça y est. Transformation en Mercuria de bibliothèque, c'est nickel.
T'as la vitesse au niveau des tirs, double tirs régulièrement. C'est vraiment cool. Ouais, ouais, je suis tenté. Oh, c'est rentable. Ouais, c'est rentable, c'est rentable. Salut les gars. Vous attendez de nous faire péter la gueule? Vous êtes bien sage. Allez, un petit cœur pour plus tard, on va le garder de côté. En vert, il crache que des mouches collées en green duck. Ah mais il était chiant, il m'a craché plein de double mouches, c'était vraiment insupportable, je te jure. Dumbo. Bon, Dumbo, c'est pas insane. Mais on va le prendre, écoutez. Pour être utile pour la fin de la run. Ouais, pour être utile à la fin. Ouais, quand il est en vert, il ne crache que des mouches collées. Ah ouais, c'est un enfer, hein. Bah pas que, mais il en crache pas mal, ouais. Ah ouais, ouais, il m'a bien fait galérer. On a déjà terminé l'étage? Vas-y, let's go. Je peux pas tenter une secret, donc on va faire ça comme ça. Maxi rentable le coffre. Des dingueries. J'ai des dingueries. On peut tenter double bombe. Double bombe ici. Non, c'est pas ici la secret. J'ai 19 pièces. Honnêtement, ça se tente. Ouais, je vais prendre le bébé chargé, c'est cool. Il fait quoi déjà? Parfois peut faire apparaître une pile, paralyser tous les ennemis de la salle et ajouter une charge à l'objectif. Je trouve que c'est broken, ça, j'aime beaucoup. Ah, petit 3-6, on est parti pour du 3-6, let's go. C'est comme loop, hein, tueur sur DBD, c'est pareil. Et voilà. Bon, on va pas faire des dingueries, hein. On part sur de l'Angel Room. Tu sais ce dont tu as besoin? Ouais, j'ai besoin de... d'HP up, de damage up. Putain, l'araignée. Attention l'araignée. La vitesse de tir est correcte, j'aurais besoin d'un peu plus de dégâts. Et ça pourrait le faire. J'ai failli me la prendre en pleine tronche. Ça aurait fait vraiment mal. Quoi, toutes ces pièces où y'a rien? Tiens, attends. Ah merde, je voulais... Ah, j'ai merdé, tant pis. Bah écoute, on va faire comme ça. On va faire à l'ancienne. Ah ouais. En vrai, on crache pas là-dessus. Par ici, mon pote. Arrête de fuir comme ça. Ne sois pas lâche. Non, 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 c'est mes pièces. T'es un salaud. Tu vois, je disais tout à l'heure, ça va, tu vois, au niveau vitesse d'attaque, c'est pas trop mal. Et ben maintenant, je dis non. Non, j'ai besoin de vitesse d'attaque, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a bouffé toutes mes pièces, l'enfoiré! Non, Dumbo! C'est ma pièce, arrête! Mais merde! Tu fais chier, putain! Il va y avoir une dinguerie au shop, je suis sûr! Il va y avoir une dinguerie et je vais pas pouvoir l'acheter à cause de tes conneries! Putain, il faut penser... faut penser esprit d'équipe, tu vois, et pas te ruer sur les pièces comme un sac. Je te promets, non mais c'est terrible, j'en peux plus! Putain mais la vache! C'est que vous êtes solide, dis donc!
Bon, il faut que je tue celui-là. Vite, 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 avant qu'il vomisse dessus. Ah! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est des salles qu'on aime pas trop. Oh. Et merde. Nice. J'ai pas de clé. J'ai pas de clé. Je fais comment? Faut des clés. Salut les gars. Vous voulez bien bomber ici? En plein mid. Putain. Ouais, je peux rien dire. Il m'a écouté, franchement. Vous avez une clé? Merci. Bon. Item room. Ok. Une tourelle automatique. Let's go. Bébé démoniaque. Un bébé qui tire des larmes. Parfait. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à fouiller? Alors qu'on veut partir sur un petit boss rush. Non, go étage d'après. Alors que je devrais optimiser hein, quand même. Ah putain, je devrais optimiser, mais bon, j'ai pas le temps. Aïe, 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 aïe. Pas d'Angel Room. Tristesse. Mais là, par contre, on a une super secret de l'espace. Putain. Varc 32. Bonjour. Bonjour, Camille. Camille 2609. Vous allez bien? Il t'a lâché un sac à items. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, du damage up. Je pense pas demander trop, hein. Toujours mes runs avec ce perso. Je sais pas ce qui se passe. La chance n'est pas au rendez-vous. 73% de chance d'Angel Room. Ah, la petite paralysie qui fait plaisir. On augmente les chances de cartes. Ouais, c'est bien. Nickel, la petite bombe pour la route. On va remonter. On a une clé. On va la réserver si possible pour l'item room. Ah non! C'est le petit mob qui a tiré dessus. Salaud! Ah, j'aurais dû déclencher mon bouquin là pour cette pièce. C'est un peu trop tard maintenant par contre. Ah, tous les mobs sont très affaiblis donc plus d'intérêt. Ok. Oh, le coffre. Ouais, un coffre généreux. Plutôt sympa. Non, non, mais la pièce, mais arrête. Mais merde, putain. Moi je pars me faire tunnel. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Salut Katsu! Comment ça va? Coucou Tiffane! Ouais, ça va et toi? Comment tu vas? Sache que contrairement à toi, je n'ai rien, je suis né à 26 août. Toi, tu nies, t'es 32 ans, la preuve, Varc 31. Putain, n'importe quoi. Ah, mais n'importe quoi, putain! Mais qu'est-ce que je dis pas? Non mais, des dingueries, quoi! Je lis des dingueries! Ah, fais chier. Il a pré-shot mon arrivée, l'enfoiré. Ah.
fait mal. Ça fait très très mal. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment cool, merci pour la batterie. Nickel. Je tenterai bien, effectivement, si possible, ça pourrait être cool. Oh, génial. Parfait. Alors, une bombe avec une clé pour un sac. C'est pas rentable du tout. Sachant que l'autre salaud, il va me bouffer, mais hop, deux clés. Ok, cool. Et là, juste ici. On a plus de portée. Un cœur, je prends. Fait mal. Oh non, pas ça. C'est long à tuer. Tiens. Allez, tiens. Oh, j'ai pas que ça à foutre, hein. Même si, une fois de plus, je crois que le boss rush, il va être compliqué. Oh, merde, catacombe 2, ça va, on est dans les temps. Tout ça pour de la portée, un cœur. Plus un réceptacle de cœur. Sympa. Un cœur ici. Un réceptacle de cœur en plus pour faire du trad avec le petit diable. C'est worse en vrai. Tenter un objet sympa. Le soleil. Strange. Ok, nickel. Bim. Toute la récompense de salle. Ouais, ouais. On va pas cracher dessus, c'est cool. J'ai plus de bombes. Je suis dégoûté. C'est plus de bombe. Merci pour les follow les amis et bienvenue sur stream. Bienvenue à vous deux, welcome. Trop bien. Alors c'est quoi l'objet là qu'on a récupéré? Un oignon pourri qui nous permet d'avoir donc des larmes spectrales et des larmes transperçantes. C'est vraiment broken. Je trouve ça insane. Ah c'est... Ouais ouais, c'est vraiment cool. Tac, j'ai récupéré des bombes en plus, c'est... Magnifique. Non, non, arrête de manger les pièces, t'en supplie. Ça suffit, sois raisonnable, mon pote. On va récupérer ça. On a deux clés contre une bombe. Ouais, je peux en récupérer qu'une seule. On va prendre ça. Let's go. J'ai juste un peu le seum, mais ça va aller, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as le seum? Moi, je vais aller faire le boss rush, mais je suis dans la merde. Hein. Ça va être dur. Hein. Faudra que j'accélère un peu la cadence, là. Ouais. Sans damage up, je pense que j'y arriverai pas en 4 minutes. Putain. Quel... Allez. Voilà, parfait. Double carte. Des cœurs rouges, on s'en fout. C'est parti pour le boss. Il veut me mettre des mouches à chaque fois, hein. C'est drôle. Hein. On est vraiment sur la run de oublier la mouche. Hein. Putain, je te jure. Secours. Le cup. Double pretty fly. C'est vraiment worse. Et là, on a une X-Flax. J'ai 3 minutes 30 pour arriver sur le pied de mom. J'y crois pas. Ah putain de dieu. J'y crois pas. À moins de... À moins de The Sun. Et de... Ouais, de run instant là, du coup direct. On peut peut-être pulvériser cet étage d'un coup. Putain, mais j'ai toujours pas eu d'Angel Room d'ailleurs. Je suis craqué. C'est quoi cette run? J'ai pas encore eu l'Angel Room, j'avais plus de 72% de chance. Non mais le jeu il abuse là. Attends, le jeu il se fout de ma gueule. Vas-y, je bombe, je casse. Trop long. Bim. Viens par ici toi. Allez. Double clé.
Nice. Allez, allez, meurs, meurs, meurs. Oh, double cœur. Mais non, mais c'est de la merde. Oh, putain, j'ai envie de crever. Ah. Je suis en train de craquer, les amis. Mais run avec Judas, soit éclataxe. Ah, c'est pas de la merde, mais bon. Voilà quoi. Ah, oh, la boussole, ça nous aurait aidé de ouf. Les pièces. Tu vois, si l'autre. L'autre Charon, là, il m'avait pas bouffé toutes mes pièces, là. Je pourrais acheter la boussole et à la prochaine étage, direct savoir où je vais aller, quoi. Mais non! On est avec un bourricot! Putain. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas de la merde, hein, mais voilà, c'est... pas ouf. 1 minute 45 secondes. En vrai, on a fait l'étage en... ouais, 3 minutes 30. On a fait l'étage quasiment avec la moitié des 3 minutes 30 qu'on avait. Maintenant, bon, écoutez, petit bonheur à la chance. Clé en or, trop bien. J'aurais tué pour avoir la carte pour aller au boss direct. Ça aurait été insane. Ça aurait été fabuleux. J'ouvre tout. Diarrhea. Ah. Wow. Salut Tsop. Trente secondes pour arriver au boss. Personnellement, j'y crois plus. Je vous jure, je suis maudit avec mes runs avec ce perso. C'est un délire. C'est le boss rush avec Judas et... ça veut pas. Mais bon, c'est pas grave, je pense que... de toute manière, tant pis. Ça peut pas rentrer à chaque fois. J'ai un peu dérapé, désolé. Lock up. À 8 secondes près, ouais. Le pire, c'est quand c'est à 1 seconde près. Là, t'as vraiment envie de claquer. Allez, objectif cœur de môme. Peut-être Satan. On est tellement pas optique. Je garantis même pas d'aller très loin, quoi. Peut-être me faire pulvériser après. Oh, salut toi. Salut, salut. Ah, j'aurais dû feed le pet. Merci du follow. All might, welcome. Bienvenue à toi. Double coffre, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir mon pote, c'est ta tournée, enfin c'est ma tournée, pardon. Allez, vas-y, go. Transformation du coup en le big monstre que tu vas devenir. En le big monstre que tu dois venir, pardon, par le français, Varg. Bam. Il suffit juste de suivre le circuit, sans pression.
Ça y est, il a évolué. Il va enfin pouvoir me servir à quelque chose. Ah, il va balancer des petites bombes sur les ennemis et tout. Moi, je peux laisser toutes les pièces. Hein. Les pièces, on s'en sert plus de toute manière à pas arriver ici. Ok. Merkou, il y a un rocher marqué, c'est vrai? Oh, trop bien. Tu carry. Merci, Merkou. C'est à gauche. C'était là. Non, reviens, pardon. Ah. Les rochers marqués ici, j'ai du mal à les voir, tu vois, comparé aux autres pièces où ça va. C'est ici. Ah oh ouais, tu vois, j'ai du mal à les voir ici, ouais. Ah, ils sont chauds. Oh, sérieux? Oh, le jeu! Merci, Marco. Et Didi. Mais arrête de le bouffer! Eh ouais, mais il connaît. On dirait qu'il débute le jeu, tu sais, et qu'il connaît pas le principe de cette sale bête. Quand tu la croques et qu'elle est planquée, ça lui fait rien, quoi, putain. En vrai, c'est pas comme si on était pressé. Pour le coup, le boss rush est fini. Oh! C'est parti pour la tendinite. On est plus à ça près, hein. Vas-y, let's go. Hein. Alors, tac, tac. J'ai besoin de maker. Bisous. Tu farmes mes stats de nombre de messages. Je te jure. Hey, salut All Night. Pardon, j'avais pas vu ton message. Bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne, mon poulet. Qu'est-ce qui se passe, Katsu? J'ai tout essayé, mais le problème, c'est que je dois patienter. Le seul problème, c'est que j'ignore combien de temps, car j'ai limite passé une nuit à essayer d'attendre de pouvoir enfin y accéder. Sauf que pour le moment, rien de positif. Merde, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai raté un message, du coup. Car j'ai voulu supprimer l'authentificateur Steam, ouais, pour voir ce que ça donnait sans. Et depuis, je n'arrive plus à me connecter à mon compte Steam. Du coup, j'ai pas pu jouer de la soirée à DBD à cause de trop de tentatives. Alors que je connais le mot de passe, bah, je dois patienter. Du coup, je slip grave. Ah, ça, c'est chiant, putain. Ça, c'est chiant. Mais maintenant, tu sais, on te demande des authentificateurs de partout, quoi. C'est une galère. Tu perds ton téléphone, t'es dans la merde, quoi. C'est fini, quoi. Ah, c'est un enfer. Hein. Le pire, c'est quand tu veux, tu sais, quand tu t'achètes un nouveau truc, une nouvelle application, un nouveau logiciel, une caméra, tu vois. Quoi que tu fasses maintenant, bah, c'est marrant, tu sais. Il prend des pièces, il donne des loots et il m'a donné une pièce pour la remanger derrière. T'as vraiment, c'est... J'ai l'impression de me faire entuber, quand même. Vous en pensez quoi, les amis? À votre avis? Je me fais arnaquer? Réponse A. Ou non, c'est totalement legit. Réponse B. Donc ouais, même t'achètes une putain de webcam et on va te demander... Ça me fait rêver, ça. T'achètes une webcam et il va falloir que tu t'identifies sur le compte Logitech, etc. pour l'installer, quoi. Non, mais au secours, quoi. Tu dois créer des comptes de partout maintenant, tu sais. C'est tellement relou, tu sais. Ça vous le fait jamais, ça, des fois, d'acheter un truc et d'être déjà gavé, tu sais. Et t'achètes un nouveau truc et t'es déjà gavé du fait de dire qu'il va falloir que tu crées un compte, que t'installes ci, que t'installes ça. T'es limite en mode, vas-y, c'est bon, flemme. Ça me fait ça des fois, putain, je vous jure. Salut Alvaros! Qui c'est qui va se mettre bien? Après, des fois, il peut donner des dingueries, hein. Bah, il m'a loot une pièce encore, mais tu te fous de ma gueule? Mais arrête! Mais il loot que des pièces! Non, mais JPEP! Wouah! Pire truc quand il y a double bombe comme ça. La première bombe repousse l'autre. Et c'est la sauce.
Un Dead Cat. Sérieux, j'ai jamais vu un monstre comme ça larguer un Dead Cat. Ah, c'est insane. Mais salaud! Pour l'instant, il a vraiment servi à rien. Il va limite me détruire ma run. Je rêve. Allez, vas-y, va les tuer. Double kill. Nice. Ok, 3 cœurs pour le cœur. C'est dans la boîte. Oh, Ipecac! Bonjour, Ipecac! Oh, Ipecac! Ça, c'est bien, ça! Ça fait plaisir, Ipecac! 14h38, mes amis! On vient de valider une run avec Judas, c'est nickel! Let's go! On a battu le cœur, du coup, 5 fois, si je dis pas de bêtises. 6 fois. Le cœur, 6 fois, ok. On se refait une petite run pour le cœur. Cette fois-ci, avec qui? On va partir avec... Ça va être le choix du chat. Choix du chat, les amis, c'est parti. Point d'exclamation clé dans le chat pour tenter de pouvoir choisir le perso pour la prochaine run. Let's go. Vous avez le choix entre Isaac, Kane, même si c'est pas très intéressant de repartir avec Kane. Non, c'est pas intéressant de repartir avec Kane. Faut partir avec des persos avec qui on n'a pas encore fait. Donc, vous avez le choix entre Isaac, Judas, puisqu'on peut faire encore le boss rush, Samson. Techniquement, Azazel aussi, on n'a pas encore fait. Maintenant, si, on a déjà fait avec ça. Il faut vraiment que je fasse le cœur 10 fois. Eden. Bon bref. Allez, let's go. Il vous reste plus que quelques secondes, les amis. Où est-ce qu'il reste son clé? Oh, on peut faire le grid aussi, hein. Ah, qu'on peut faire le grid aussi. Il manque encore des trucs à débloquer. Grid mode with Azazel pour l'élite. Hard mode, oui, Lazarus. Sans perdre de vie. Ah ouais, mais avec Lazarus, je m'amuse à mourir dès le début, en fait, à chaque fois. Pour avoir plus de... Pour avoir plus de force. On peut débloquer Bethany assez rapidement, ouais. Salut, Anatis. Ça va et toi? Ça roule? C'est parti. Zouille. Bravo, Zouille. C'est toi qui l'emporte. Alors, dis-moi tout. Isaac, Kane, Judas, Samson... Azazel. Lazarus. Eden. À toi de choisir. En vrai, fais-toi plaisir. Choisis celui qui te fait plaisir. Vraiment, il n'y a pas de souci. C'était une clé de quoi? Non, c'était pour choisir le perso. Firehorse. À gagner, il y avait du coup la possibilité de choisir le perso. Et une RTX 4090. Non, juste le perso. Azazel. Nickel, Azazel, c'est parti. On va se faire... On peut avancer sur le grid mode en vrai. On refait une petite run grid mode, comme ça on avance, on met des thunes encore dans le grid mode. Bim, sans reroll, comme d'hab. Oh, un petit cœur bleu pour la route, c'est cool. Cette vitesse de déplacement en début de partie, c'est insane. Ouah, des thunes. Oh merde. Ah vas-y, c'est quoi, je le fall. Oh, Magic Mushroom!
Heureusement que Saroteki est parti du stream, il pèterait un câble sinon. Petit Magical Mushroom là, c'est plutôt cool. Zoui, tu me portes bonheur, hein. Je te le dis. Oh la range en plus là, tu vois, grâce au Magic Mushroom. Et grâce au petit... Le petit champion aussi donne de la range en plus, je crois, non? Ah, de la range fou furieux, j'ai une brime qui est quasiment normale. Attention aux explosifs. Azazel égale cheat. Hein. Azazel égale Az. Easy run. Tu sais, quand tu débloques le Tainted Azazel, tu te dis ouais, le Tainted il va s'en mettre broken. Je vois pas comment est-ce qu'il pourrait pas être broken le Tainted Azazel. Et au final, tu te rends compte que bah non, pas du tout. Le pauvre Tainted Azazel, il a les ailes arrachées, il est en total PLS. Il est en mode achevez-moi. Il a une brime, bon, qui est pas terrible. Bah, c'est spécial à jouer. En vrai, je me suis amusé avec quand même. Double pin. Angel Room, mes amis. Ça part sur de l'Angel Room. Il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Tu as un ennemi, invoque une araignée bleue. Les ennemis tués par des araignées bleues n'invoquent pas d'araignée bleue. J'adore là. J'adore le truc, tu sais. Est-ce que c'est sympa? Ouais, c'est sympa, mais... Flemme. Oh, patte de Guppy! Si j'avais su, je serais dans le DD. Mais bon, tant pis. Le premier étage en grid, c'est le pire. Ouais, sauf avec Azazel. Ouais, c'est clair. Ouais, Azazel, c'est mode facile, ouais, de ouf. J'aimerais bien jouer à Isaac. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que c'est trop complexe à comprendre. Non. Alors, oui, au début, c'est complexe. Mais en fait, une fois que tu as la mobilité de ton perso et que tu sais donc bouger ton perso, taper en même temps, tu vois, genre faire des droites gauche et taper en même temps, tu vois, du côté que tu veux. Une fois que t'as ça, après, c'est que de la connaissance. Et un peu de skill aussi, évidemment, bien sûr. Mais après, voilà, c'est la connaissance, en fait, les patterns des mobs et tout, tu vois. Pas généreux, notre ami, dis donc. Vous n'êtes pas généreux du tout. Je suis choqué. Oh, sang du martyr. Ah, on prend un petit 3,42 de dégâts en plus. Sympatoche. Bon bah écoute, à 12,60, hein, on a plus qu'à essayer de trouver, si possible, une petite carte là pour pouvoir multiplier nos... Oh putain de merde. Ah, fait chier. Ouais, le jeu il prend en compte que ça c'est pas des ennemis, du coup il envoie deux vagues directes. Truc de bâtard. Truc de salaud. Attention, il y a un squelette. Nice. Ouais, un petit dos de carreau, ça serait ouf. Vraiment, ça serait cool. Il y a moyen là de bien bombarder la machine du grid mode. Salut mon pote! Putain, et t'avais des bombes en réserve, le vache! Choqué. Azazel, c'est comme faire Malenia avec les invocations plus la lame blasphématoire ou la rivière sanglante, quoi. J'avoue. Après, c'est cool à jouer, moi j'aime bien. C'est sympa à jouer à Azazel. Salut Trumpet! Ça va ou quoi? Tu vas bien? J'ai déjà essayé d'y jouer, mais juste une fois, ouais. Rivière sanglante est plus si forte. Après, ça va le faire. Au début, c'est dur.
c'est tes premiers runs sont compliqués parce que tu connais pas les mobs et tu rentres dans une salle, tu te fais péter la gueule parce que tu sais pas comment les mobs vont réagir. Et une fois que tu connais les premiers mobs des premiers étages, après tu les maîtrises et tu feras les premiers étages sans perdre de cœur quasiment, tu vois. Ou t'en perdras un petit peu, mais ça va, tu feras très peu d'erreurs. Ce qui te permettra en fait d'arriver sur d'autres étages, d'avoir beaucoup plus de cœur que sur tes premiers runs, voilà. Et après donc, de pouvoir donc avoir plus de chance pour pouvoir tanker les erreurs, tu vois. D'avoir plus de cœur, une belle réserve. Et après donc comme ça, tu apprends les patterns des mobs des autres étages. C'est de l'apprentissage en fait. Mais forcément, tu vas arriver dans une pièce contre un mob que tu ne connais pas. Oui, c'est sûr qu'il va forcément t'en mettre plein la tronche, c'est logique. C'est comme sur Elden Ring, t'arrives sur un boss. Bon bah le boss, tu connais pas ses patterns. Donc logique, tu vas prendre ta life. Petit Angel Room, mes amis. Hop, avec un petit rosaire. Débit augmenté. 3 cœurs d'âme. 4 cœurs d'âme pour la route. Et en plus de ça, un petit cercle de protection. Il est trop beau. Ça va m'entourer d'un halo de lumière qui va infliger des dégâts de contact et qui pourra renvoyer projectiles ennemis. Un super item défensif. Let's go. Elle est pas mal. Je vous propose de récupérer ce cœur et de voir ce qu'il nous propose, notre ami là. Oh, une petite bible. Bah écoutez, on passe en 2 sur 3 au niveau du séraphin. Let's go. Rat bibliothèque 1 sur 3. Ça ne servira pas à grand chose pour le coup vu qu'on vole. Ah, il y avait un cœur ici, je suis bête. J'avais pas vu. On n'a pas fouillé ici. On va jeter un petit coup d'œil. Quelques petites pièces, sympa. C'est cool. On va reroll une fois. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Cassos. Ouais, ça va, Trumpet, ça va, si. Ça va, ça va. Ouais, je suis à fond sur les hacks en ce moment. En vrai, c'est cool, on fait des petites runs plutôt cool et on fait une run en live. Nickel, le cure-dent. Les petites runs en live, c'est plutôt cool, on s'amuse bien. Ouais, le coffre. Ouais, je te jure, Aros, je suis dégoûté, je suis parti trop vite. Comment il va, Aros? Ça va ou quoi? Ça va, le poulet? Ouais, ouais, j'ai le seum aussi, t'inquiète, je suis parti avec le coffre, là. Il y a un truc qui manque, tu vois. Je vais peut-être mal dormir cette nuit à cause de ça, notre joke. Je te jure. Cette bombe, on est bien. Je sais mal positionner ma bombe. Petite secret. Coupland. Ouais, c'est un peu tard. Il arrive un peu tard. Ok. Bon, de toute manière, ce trinket, il est sympa, mais bon, dans ce genre de situation, c'est pas forcément le truc le plus intéressant à voir, quoi. Tac, une pièce, deux pièces, trois pièces. Ça change les loot. Bon, let's go. Wow. J'aime pas ça. Plusieurs big bomb trolls ensemble, c'est le pire truc, vraiment, je trouve. Non mais arrête! Elle va pas me dire que ce perso est pas cheaté après ça. Nice.
Pokéorm. Ok, on peut avoir du coup le feu du souffle pour une salle. Alors ça peut être sympa, hein, je peux avoir du coup une vraie brime. Une vraie brime digne de ce nom, quoi. Mais bon, ouais, ça va, on va s'en passer, quoi. Par contre, on va récupérer le nombre de la bête, ouais. Un petit corner en plus, let's go, des dégâts supplémentaires. On passe à 2,67 de dégâts en plus, on passe à 15 du coup, 27. Vitesse de déplacement maximum. C'est très sympathique. Une pièce ou deux, des pilules. On bombe et on se casse. Tac. Ça fout tellement le seum de voir les objets, tu sais, qui apparaissent quand tu bombes la machine. T'as une première sélection d'objets qui apparaît, bim, ils disparaissent et tu pars sur la dernière sélection et la sélection définitive, vu que derrière, après, t'as bombé le truc pour reroll. Ouais, je vois ça, désolé de pas venir récemment, je suis mentalement avec vous sur le live quand je bois dans mon mug. Y'a pas de soucis, t'inquiète, Trumpet, on peut pas être partout à la fois. Et en vrai, bah, c'est-à-dire que t'es débordé en ce moment de ta vie, j'espère que ça se passe bien en tout cas. J'espère que tout va bien. Tu peux récup la première sélection. Ah ouais? Comment tu fais pour récupérer la première sélection? Faut que tu m'expliques, mon poulet. Je suis curieux. Toi, tu joues avec le clavier. Ouais, exactement, ouais. Je joue clavier souris. Bon, bah, Séraphin, let's go. Allez, l'auréole. Un cœur rouge, plus trois cœurs bleus. C'est parti. Bim, on est full cœur. On est bien. On est bien, on est bien. Et en plus, on vole. Ah, on vole déjà. On l'avait déjà, le vol. Mais bon. Tu voles. Mais oui, je vole. Oh, ça va être trop marrant, un petit time exciting avec... le grid mode, ça va être le bordel. Allez, go. Comme ça, on rush. Ça va s'activer dans 3, 2, 1. Ouh, ça va être un bordel! Peut-être me faire bully. Maintenant? Toujours pas? Allez, maintenant. Non? Voilà! Putain, merci! Merde! Pas trop vite, au secours! Aïe! Oh non, pas ça! Je regrette! Eh, la musique elle est sympa comme ça, j'aime beaucoup. Je valide la musique. On se permet de faire des dingueries parce que vraiment on a le... On avait pas mal de cœur. J'ai perdu quand même beaucoup de cœur à faire le con. Hein. J'ai perdu beaucoup de cœur. Je suis en utéro. Il reste... Ah, il reste pas mal de choses à faire encore en vrai. Ok. 5 pièces. Ça permet d'ouvrir du coup les portes. Ouais, c'est worse en vrai. On gagne 5 pièces. On a une porte à ouvrir encore. Une seule? Ouais non, c'est pas voir du coup. Deux portes à ouvrir. Vas-y, go. On va avoir le Conjoin dans pas longtemps, champ. Ouais. Ouais, c'est une habitude à prendre, ouais. Ah, moi, je me sens carrément mieux du coup. Tout diamant. Ah, c'est un joker. Ouais. Bon, bah, on s'en fout. Pas terrible, hein. Terrible, terrible.
Ça m'a fait une fausse joie, je suis dégoûté. C'est pas bon le jus de raisin? Si, si, c'est bon, c'est fort. Mais je garde mes sous. Disons qu'à 15 de dégâts, tu vois, je suis au calme. Voilà, le saut de fromage, ça ralentit du coup énormément ta vitesse de déplacement et tu peux détruire du coup tous les rochers, mais... bah là, j'en ai pas besoin. Bonjour, rocher marqué. Salut, petit diable. Encore des dingueries, s'il vous plaît. Voilà, ça vaut vraiment le coup, hein. Vous avez vu? Les diables, du coup, dans le grid mode, ils sont vraiment intéressants. Ah ouais, ils sont vraiment hyper intéressants. Faut pas hésiter, du coup, à trade avec eux. Ça me permet de voler, du coup, pendant une salle. Le Dead Cat. Putain, j'ai envie de le prendre. Coûte cher le Dead Cat là quand même. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Ouh, putain, ça y est, enfin. Merci, le jeu est sympa avec moi. Enfin, il est souvent sympa, je sais, mais encore plus là. Vraiment, enfin, merci. 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 Il est rôti. Arrête. Non, il est pas rôti. Pas gentil, ça. On est où? On est... Non, mais je vais faire des dégâts de branque, là, non? Si je double l'utilisation du truc... Attends, là on est ici. Ok, je peux le récupérer. On est large. On pourrait récupérer aussi le croissant. On passe à combien de dégâts là si j'utilise le bouquin? On est à 18-16. On passe à 23-52. Sympa! Allez, go. On n'a plus qu'à augmenter un peu la range et... Comment il va, Valk? Ça a été le boulot? Wow! Tiens. Oh, pire boss. Un DD avec des cœurs noirs, s'il vous plaît. Oh, mais je suis con, je suis déjà allé au DD. Non, mais ça va pas! Le streamer est ravagé. Pas des dégâts en plus. On prend carte du membre. Ouais, let's go. Ok, et maintenant on dépense plus une thune. Finito. On dépense plus un sou. Merci pour le cœur, mon pote. Pauvre diamant, qu'on ne touche surtout pas. Ne crie pas à victoire trop vite, la machine peut se bloquer à une pièce. Ouais, je te jure, ça me l'a fait un paquet de fois ça. Genre je mettais 3 pièces, la machine se bloquait, j'avais envie de tout casser chez moi alors que j'avais genre... ouais, un tour of diamant, ce qui te permet donc du coup de mettre 150 pièces quoi.
Oublie pas la carte, hein. Non, t'inquiète. C'est le genre de truc que je serais capable de faire, donc tu fais bien de me le dire quand même. Ça me perturbe quand tu dis DD, même si je sais que c'est Devil Deal, c'est mon surnom aussi. C'est vrai? Ouais, Diander, ouais, ouais. Bonjour, Noxera. Salut à toi. Comment tu vas? Attends, mais DBD aujourd'hui, c'est 15h, c'est ça? Ah oui, c'est 15h. Donc, après cette run, on va sur DBD. On a quasiment terminé, de toute manière, vous inquiétez pas. Dans ma tête, c'était... Dans ma tête, c'était 16h, je sais pas pourquoi. Tac. On a la carte. Ah, il nous reste plus que cet étage-là. Ah ouais, mais après, il y a moyen de bomber des trucs et tout, de récupérer des choses sympas. Tac, la petite bombe ici. Ok. Là, on va avoir des bombes, j'espère. Une pils. Un HP down. No thanks. Je garde ma dernière bombe, du coup, pour... Je fais une passe. Ah! Tiens! Trop de dégâts. C'est quoi ce couteau? Ah, c'est traîtrise! Ah, moi, tu vois, le couteau, je le vois, je pensais qu'il était planté dans un cœur, en fait. Ok, ok. On peut avoir Conjoin si on veut. Triple brim. Ouais, triple brim. Allez, va pour la triple brim, let's go. Go triple brim. Le fameux petit Steven. La petite corne. Sympa ça. Ouais ouais, Rotan c'est fort quand même, j'avoue, hein, Nikasa. Ouais, j'avoue. La génération de petites mouches là, c'est plutôt cool quand même. Je trouve dommage que cette salle, tu vois, elle te permette pas de récupérer une barre de ton... C'est ton objet. Ouah, c'est mes pièces. Oh salaud, il m'a mis un coup de boule.
Enfin, je grid, hein. Le streamer va peut-être mourir parce qu'il joue comme un sac. J'ai joué comme un sac, désolé les amis. Je vais débloquer l'élite. Trop bien. Bon. Allez, feu. Ça va, c'est pas mal. J'ai pas le droit de râler. Oh, franchement, c'est pas mal. Ah, une fois, j'ai réussi à caler les 150 pièces, hein, il me semble. De souvenir, j'ai réussi à caler les 150 pièces une fois, j'étais content. Tac, AB, c'est pas mal comme progression en vrai. On en est où du coup? On est à 92 secrets sur la new run avec une seule mort pour l'instant. Ouais, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'au début de chaque run, j'essaierai de marquer 92 sur 600, je sais plus combien, 637 je crois. Comme ça, vous pourrez voir la progression du coup de la run, hein, de la run qu'on fait en stream. Et demain, on va essayer de battre le cœur 4 fois si possible. Là, on avance bien en vrai, on va pouvoir après passer en mode grider. Et l'objectif, c'est de réussir à choper Keeper rapidement, de réussir à choper sa version Tainted rapidement aussi, pour avoir les pièces en or et tout. Comme ça, on pourra faire des belles runs, ça va être cool. Avec les pièces en or, on va pouvoir du coup gruger un peu le jeu, ça va être cool.